Nabila Benatia Vergara a emmené son fils Milan, 2 ans, à une fête d'Halloween organisée par la crèche. Déguisée en Cléopâtre, la jeune maman a pris la pose avec son petit garçon, grimé en Jules César, un couple tellement mythique. Des tenues qui ont fait l'unanimité auprès des fans de l'influenceuse. Sur Instagram, où elle a posté plusieurs clichés d'elle en compagnie de son fils, elle a eu droit à une pluie de compliments. Via son compte Snapchat, la jeune maman a expliqué, « On est parti à la fête d'Halloween, si est-il trop bien. Thomas n'a pas pu venir. J'ai emmené mon fils, il est en plein kiff », a raconté la jolie brune, apparemment très contente de voir son fils s'amuser autant avec ses camarades. Nabila a mis le paquet niveau maquillage et a porté une perruque et une robe scintillante dorée. Si Thomas Vergara n'a pas pu être présent, si est-il parce que ce dernier est malade, victime d'une intoxication alimentaire qui l'a contraint à être mis sous perfusion et au repos. De retour chez elle, Nabila a donné des détails concernant cette petite fête. Milan attendait Halloween depuis très longtemps, il en parlait depuis 3 semaines tous les soirs et il s'avère que sa crèche a organisé une immense fête. Je n'ai pas pu tout filmer parce qu'il courait partout, j'ai dû enlever mes talons et lui courir après. Il y avait des spectacles, des stands où l'on devait faire des activités pour gagner des bonbons, pop-corn, de la barbe à papa. C'était super bien fait, on a adoré, a affirmé Nabila.